blanchiment des avoirs, enrichissement illicite. Sénateur, on dit lui que c'est le Sénat République là, qui met la main dans les sacs. Sénateur, lui, on dit, l'utilise tout moyen pour le piller pays. Eh bien, Fondation J'éclairé, il est tombé sous rapport ça de Marie-Hélène Gilles. Il mandé la justice pour servir à tout ça comme moyen pour passer code dans le coup nèg sa yo, notamment sénateur Léon Dieu, au-delà des moyens, au-delà des privilèges, ça y est, moi, je vais ajouter. Yo bénéficient d'un pays, hein? Yo pas satisfait. OK? Li pas satisfait de ça ou gagne nan men comme moyen, comme privilège. Yo pas satisfait. Yo pas satisfait, mais y a nan de tout le monde de fond, yo nan concombrette tout cause. Eh bien, Fondation J'éclairé li mandé la justice haïtienne, suite à rapport BAF, ça, enquête BAF menée. BAF sont entité qui, dans DCPJ, c'est lui qui l'a pour mener enquête sous question blanchiment. Fondation J'éclairé prend connaissance à un rapport bio, affaires financières, économiques. Il a adressé à commissaire gouvernement près d'un tribunal première instance Port-au-Prince. On a parlé de M. Paul Erons Villa. BAF dit, BAF c'est une institution qui placée avec support barrière de fonds internationaux pour lutter contre corruption en d'un pays. Au-delà que unité d'élite contre la corruption existait tout, ou bien unité centrale de renseignement financier UCREF y existait. Inspection générale des finances, toute entité ça yo existe qui relève de direction centrale police judiciaire n'a parlé de BAF très peu connu pas trop monde qui connaît pas public là pas fait connaître ça arrivé mais son bureau qui travaille bureau affaires financières et économiques yo dit dans conclusion rapport la conclusion du rapport du BAF est ainsi libellée. Il paraît tout à fait évident, honorable magistrat, que le sénateur Onondier, lui, dont le nom a été cité par les interpellés lors de leur audition, elle est nommée Marie Milande Georges, nous plus connaissons sous nom Madame Kasséiste dans le niveau Sénat République là, identifié dans le numéro fiscal 004. 155, alors 004-155-475-8. Ismik Chout, identifié dans le numéro fiscal, dans le DGI, 004-019-400-3. Jimmy Ferville, identifié dans le numéro à l'identification nationale, 01-01-99-1976-07-00-891 et consort lié par une vaste opération de détournement de fonds publics, blanchiment des avoirs, d'enrichissement illicite et d'association de malfaiteurs. De quelle infraction ils vont faire l'objet d'enquêtes approfondies sur certains points, dont tels que, ils ont parlé de l'existence d'une entreprise qui aurait les révélations en TK, les trouver dans vertu numéro 1, dans le département Saint-Louis, alors, dans la commune Saint-Louis du Sud, dans le département Nord-Ouest. L'identification et audition du comptable public délégué auprès du Sénat de la République. BAF mandé puis autant de comptable public qui dans le Sénat République là. OK, comptable public qui dans le Sénat République là, qui ministère finance nommé
pour faire suivi yo. A vle di si gen debi gen reseller et debi gen voleur gen reseller. Si yo kembe loue non di nan voleur nan détournement de fonds, a vle di comptable public la faut le ka di pour qu'il t'a décaissé l'argent sa yo et baf mandé puis autant d'elle. Et yo mandé puis autant de tout non tout bénéficiaire sa yo, personne physique et morale. Chèque ki bay a ki ismik shoot li men li emet à partir du compte courant entreprise dénommée révélation ATK au cours de la période du mois de mai 2018 à date. L'obtention et évaluation de la déclaration de patrimoine du sénateur Louis Onondi. Faut regarder qui ça Louis Onondi était gagné, l'elle était sorti dans nord-ouest à jodi a ça le posséder. L'elle pas trop sénateur, faut regarder ça le gagné comme richesse. À son pays va souffrir comme ça pour de nèg contenté malgré privilège ou bénéficier pour ces voleurs, ces détourneurs l'argent l'état. Fonction occupée par nommé Ismik Chout dans le Sénat public là. Interpellation de Marie Milan George et Ismik Chout, en conséquence honorable magistrat responsable bureau affaires financières et économiques dans direction centrale police judiciaire là DCPJ. Seulement nos frontières nous dit DCPH dans deuxième salle d'avocat, c'est DCPJ. Pour déférer en état les nommés Jimmy Ferville, Anel Nelson. Oui, il y a Anel Joseph, il y a Anel Nelson qui a volé dans le Sénat, c'est long baf. Et André Auguste pour les suites des doigts. Baf a été mis sur la piste de ce vaste réseau de corruption par une citoyenne honnête, courageuse et responsable dont la bonne foi a été trompé en raison de la précarité de sa situation économique. La dame Cassandra Jean, c'est dame ça, li était dans difficulté pour payer l'école Timoun li, li contacté par employé Sénat République là. On a parlé de Jimmy Ferville, qui est responsable service matériel dans Grand Corps. Jimmy Ferville dit la fait le cadeau 25 000 goudes. Jimmy Ferville promis 25 000 goudes à Cassandra Jean à condition qu'elle ouvre un compte conjoint avec une autre personne qui on accordera aussi la même subvention, soit 25 000 goudes. Jimmy mandé Cassandra pour me faire cadeau 25 000 goudes. Pour payer l'école si mon malgré en difficulté, faut ou accepter l'ouvre compte avec un autre monde, n'importe monde ni baille. Non, c'est sénateur non dire. C'est là dans nous là. Dans point 7 là, Cassandra accepté pour l'ouvrir compte là, il bien 25 000 goud. Il y a un problème. C'est il y a un problème li. Cassandra accepté ouvrir compte là avec un cousin li qui relait Magda Bernier qui était tellement content recevoir lui même toute subvention. Hein? Tout ça des problèmes qui gagne. Dans point 8 là, Cassandra a été initialement mise en contact avec Jimmy à travers son ami Ulysse Berlin, petit ami de Jimmy. Elle dit petit ami, elle dit si madame lui, elle dit Jimmy Serville, si madame va te connoger ménage, il y a un petit ami, il est Ulysse Berlin. Dans point 9 là, il dit le compte une fois ouvert en date du 26 juillet 2019 avec un montant de 10 000 goud octroyé par Jimmy. Regarde l'argent. Dans qui banque? Non, ma avance, il va numéro, il va mais n'a pas avancé. Jimmy ba Cassandra 10 000 goud pour l'ouvrir un compte. Livré regardé par Jimmy. Li ba 10 000 goud pour l'ouvrir compte là et li kembe livré, ça lui dit la déposer montant les sous li avec complicité. Donc, Cassandra n'a pas qu'à retirer. Non, avec complicité. Au nom de Dieu, lui. Au nom de Dieu, qui va le voir. Là, pour la déposer. Prenez 10 là. Quand fut la surprise de Cassandra de constater en août 2019 que son compte est crédité d'un gros montant dont on lui demande tout simplement de faire retrait, de le remettre à Jimmy. Il ouvrit compte là en septembre 2019. Dans le mois août 2019, là, il y a un magogo l'argent sous compte là.
en août 2019. Ils ont magogo l'argent sous compte là. Il ouvre compte là en juillet. Compte là 26 juillet. En août 2019, Cassandra joint un paquet l'argent sous compte là. Mais Ligue doit seulement, tout simplement, faire retrait et puis remettre l'argent à Jimmy. Jimmy Serville. Et ça, rapport, ils vont jouer nous parler. C'est ça, rapport Baflap dit là. Point 11 là. Surprise et panique. Elle en format la DCPJ qui confie le traitement du dossier au BAF. Donc, il y a des bagages à faire. Faut qu'on les a fait là. En pile fois, est-ce que c'est l'homme qui dans des gouignons les a volé? Ou va pas contenter dame non pour la ou dire compte pour l'ouvrir compte. Radio Omega. Il ouvre compte là avec 10 000 gouttes, 26 juillet 2019. En août 2019, il y a une somme l'argent qu'il va posséder sous lui. On y a n'importe quoi qu'il fait, c'est remettre Jimmy Kobla. Dame nan qui panique, parce que la prêche goul l'argent il va venir dans main li. Seulement 25 000 goul l'argent il bénéficie. Il panique, et bien il remet dossier à BAF. Là, il peut déplaire dans le CPJ et le CPJ remet BAF dossier. Point 12. Le 6 août 2019, nommé Jimmy Ferville, Anel Nelson et André Augustin, ils ont interpellé dans le DCPJ au moment de sortie d'une transaction bancaire en compagnie de la plaignante Cassandra Jean. Le 6 août 2019, ils ont interpellé Jimmy Ferville, Anel Nelson et André Augustin dans le DCPJ pendant qu'ils ont sorti une transaction bancaire accompagné de Cassandra Jean qui se met compte là, c'est lui qui a accès sur compte là. On ne peut pas connaître que vous demandez subvention, c'est lui ou décidé, ben ça va faire avec l'autre monde. Il dit, enquête la révélée. Jimmy Ferville, passant, lui passé, lui fait avis. Il dit, il agit au nom de, au nom de Dieu, lui, de la secrétaire adjointe du Sénat de la République. Madame Milan de Georges Cassis. Jimmy Ferve. Lizzy, c'est pour non Dieu lui tape travail. Il n'y a pas possibilité pour décaisser l'argent dans le Sénat. Et avec secrétaire adjoint Sénat République, là, on a parlé de Madame Milan Georges Cassis. Encore et encore. Il a dit, madame, ça, c'est il fonctionnait tant qu'on 31e sénateur. Et quand t'as manqué et cassé bouche au nom de lui ou madame ça parce qu'il dit par l'île et ben ça un sénateur divisé avec madame ça son sénateur tout puissant au niveau Sénat République là. Anel Nelson qui s'est chauffeur attaché dans service madame Milan Cassis les mêmes tout qui lui a passé les instructions pour accompagner les gens à la banque. Bon, il a dépassé les instructions lui-même. Pour le conduit Mounio, c'est chauffeur madame non, voyez le conduit Mounio pour aller dans la banque là. André Augustin est un policier de la 17e promotion, ID, identification certainement, 05-17-05-07-973. Il est affecté dans l'Idmo Nord-Ouest. Il est en détachement avec le sénateur Louis Onondier, qui l'avait instruit d'aller purement et simplement sécuriser les transactions. On volume l'argent pour la banque, faut que les policiers qui prennent la bonne sécurité. Ok? Tout n'est que ça. Yo, apparemment, bon, c'est si bal tenue, yo voye, quand yo voye là, faut aller. Les véhicules saisis appartiennent à l'administration générale des douanes. Sa machine, la douane, a fait dans main. Non, non, ouais. Le sieur Hans Saint-Louis, le mari de la dame Milan Georges Cassis, trouvé sur les lieux de la perquisition effectuée en sa résidence, perquisition au cours de laquelle des documents intéressants, l'enquête ont été saisis par le juge de paix de Pétionville, maître Clément Noël. Parmi les documents saisis en possession de Jimmy Ferville, se trouvaient des fiches de dépôt sur des autres comptes en banque domiciliés à la Unibank au numéro respectif. Suivant, 650-1821-0151-7830 et 0650-1822-0
et 0151-78-53. Information recueillie via UCREF. Sous compte ça, il révélé compte ça te l'ouvri sous nom entreprise Renteca, révélation Renteca, entreprise qui service qui trouvait dans le département nord-ouest pays à la Caillou de Nicastrael, notamment dans Saint-Louis et Vertu numéro 1. De ce, on a posé question. Comment un responsable des matériels du Sénat de la République peut-il faire des dépôts importants sur le compte d'une entreprise qui serait située à Saint-Louis du Nord? Ça est logique, ça est question à poser. Qu'on y a une entreprise qui est Saint-Louis du Nord, Sénat de la République là, il y a doit faire dépôt, oui. Mais il dit entreprise ça est Saint-Louis du Nord. Ça veut dire c'est pour une entreprise qui appartient ou bien qui appartient au Sénat de la République. Comment monsieur fait transaction de Port-au-Prince à Saint-Louis du Nord? Au Port-au-Prince, il y a BRH. On ne parle pas de l'autre banque. Si c'est pour le Sénat, vous devez le faire. Radio Omega. Comment un responsable? Voilà. L'analyse des comptes de cette entreprise, s'il existe, démontre que les transactions effectuées n'ont rien à voir avec une maison de location des véhicules, j'en vous même. Le compte en goutte, par exemple, numéro 650-1821-0151-7830, qui l'ouvrit non ouvert dans le livret comptable de la Unibank, voilà, n'a pas de paix, 30 novembre 2017, par un dépôt initial de 5000 goudes, et dont le signataire est Ismik Chout, identifié fiscalement au numéro 004-019-400-3. Des professions enseignants présentent toutes les caractéristiques fictives souvent utilisées dans les opérations de blanchiment et d'enrichissement illicite. K. La relève bancaire de ce compte du 30 novembre 2017 au 6 août 2019 est identifiant. Du 30 novembre 2019, du 30 novembre 2017 au 7 mai 2018, aucune transaction n'a été effectuée sur le compte, aucun dépôt. À partir de 8 mai 2018, compte l'a alimenté uniquement par des gros dépôts en cash totalisant la somme. Bon, moi, si je me dis somme, non, bien, parce que j'ai l'argent de Vonstrael, il faut prendre le temps pour lire. La somme de. Alors, 29 784 750 goud. Il fait dépôt ça le 8 mai 2018. Vous entendez l'argent? 29 784 750 goud. Tandis que retrait yo effectué yo fait dans même période là à 5 798 070 goud. Il convient de souligner que du 3 janvier au 6 juin 2019, cette même entreprise a opéré des retraits totalisant 22 905 790 gouttes. Donc, ce problème là, est-ce que vous parlez, nous finissons par le dossier, mais Internet là, nous connaissons là avec nous. Internet là avec nous, nous font y tomber dans tout pays là, dans Port-au-Prince. Moi, c'est Samuel Lorimain, APC, fait arrangement yo. Sou en ou attendez nous là, nous pas encore fini rapport là. C'est des coupures à gain qui pas dépend des volontés par nous. Je dis là, il convient de souligner que du 3 janvier au 26 juin 2019, cette même entreprise a opéré des retraits totalisant 22 905 790 goud. Entreprise a effectué parallèlement transaction en dollars sous compte, sous numéro compte ça. 06 50 18 22 0151 0151 78 53, compte ça est toujours dans Iniba. Qui a donc ce monsieur Ismik Chou, dont l'entreprise de location des véhicules à Saint-Louis du Nord a pu générer un chiffre d'affaires en cash de près de 30 millions de goudes en un an. Bah, il va aller vite.
Mais non. Non, folle by mon lot. Mais c'est une belle question que posez là. Qui est Ismik Chouti? Bon, je ne sais pas qui est lié. Mais dans un an, on service location généré 30 millions de goudes. Côté lié encore dans le nord-ouest. Sans pas les minimiser le département Israël. Mais, qui activité? Je veux dire, il y a une ONG dans le pays. Pas qu'il y a une ONG dans le pays encore. Parce que, pour un service location, générer 30 millions de gouttes dans un an. Qui est donc ce monsieur Roque. Ok? C'est ça, il dit 14. Qui est donc ce monsieur Ismik Chouti, dont l'entreprise de location et de véhicules à Saint-Louis du Nord a pu générer un chiffre d'affaires en cash de près de 30 millions de gouttes en un an. Quel rapport entretien? C'est Ismik Chouti avec le questeur du Sénat de la République, justifiant des dépôts en cash du responsable des matériels du Sénat sur le compte de cette entreprise. Comment l'argent destiné à la subvention scolaire au Sénat de la République peut faire l'objet de telles transactions frauduleuses pendant que des parents à travers le pays sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école, retirer les canets scolaires dans les directions des écoles, qui vient chercher un véhicule de la GD dans de telles transactions? À qui ce véhicule a-t-il été confié? Quelle est la responsabilité des autorités de l'AGD dans ces transactions? L'analyse des déclarations de patrimoine de ces responsables et de celui qui a ce véhicule a été confié ne sera-t-elle pas utile à l'enquête? Information que Fondation Jéclairé Dilrikei confirme que Ismik Chouti est le chef du cabinet du questeur au nom de lui, d'une part. Et d'autre part, l'adresse de l'entreprise Révélation Anteka est celle d'un dépôt de boissons gazeuses. Révélation Anteka a dit qu'il n'a service location, c'est boissons pour mon boue, boissons gazeuses livan. Le peuple haïtien a droit à la vérité, toute la vérité. Il a droit aussi à la restitution, c'est donc à la justice qu'il appartient de faire toute la lumière sur cette affaire et de punir les auteurs et complices de ces actes de corruption. Port-au-Prince, 27 août 2019, Fondation Jéclairé, corruption, blanchiment des avoirs, enrichissement illicite, le sénateur au nom de lui, questeur du Sénat de la République, prit la main dans les sacs. Voilà, Denis Castrael, rapport ça, que BAF réalisé et Fondation Jéclairé tombé sous lit, lui et nos dieux qui est en détresse. Bagay la te parle déjà. Mais qui ça qui va passer? Vous tapez c'est maquillel, ok, pour bagay la pas vraiment arriver dans le niveau ça. Ok, mais Fondation Jéclairé, son fondation depuis le camp, Marie-Hélène Gilles Pape. Donc, quand il passe, il va dans le gré. Ok, Marie-Hélène Gilles. Et quoi, pas gros seulement. Et une. Objectif yo c'est combattre gourmet avec question corruption dans pays de fond, détournement de fonds et Mario Lendil Jean là c'est qu'on s'allier même parce que c'est pas fort mon yo pas prendre même si me dit Mario Lendil comme si c'est une question personnelle c'est enquête que yo mené c'est la dirigeante qui mène qui tombe sur enquête là. Et aussi cité sources, il y a des sources où aussi cité BAF, vous comprenez, qui sont entités de CPG, vous comprenez, qui baillent information si la bon. Alors, avant nous aller dans la conclusion, l'on dit bon, ça veut dire ou sous pour conclure, mais ça nous l'a dit. Non, pourquoi conclure, non, mais ça veut dire que. Non, attendez. Même yo te la ka non di Vivi Michel là aussi. Ouf, l'Éternel. Si paquet moun pa ki fin parler. Bon fin parler, faut pas la moun nan dwes pou yo. Ou même gen des approches m'pa reme fè nan boukante la parole. Mais m'a dit jodi a. M'a obligé fè jodi a. Comme nèg nan nò, m toujou kontemperamen. Gen pa m'pa reme parler, mais les amis fon pas mettre nos situations comme si Haïti son bagarre qui pour le fini depuis nous venons poste
faut nous faut le gérer ça parce que c'est pas normal non pour nous boucater la parole pour faire soi faire faut le gérer le propre moyen de pas de problème ça allez-y les n'attendez ça c'est des bagages qui fait nous fait un pile monde frustré dans le pays. Nous faisons pile moun frustré dans le pays. Comme si nous avons deux coups de pas de rien qui intéresse. Le département de la Kaili pas intéressé. Moi-même, je vais aller à Jean-Abel pour faire Saint-Jean-Baptiste Trael. Ou aller pour de paix déjà? Je vais aller pour de paix, mais je connais Chansol, je connais Bassemblé, je connais Jean-Abel. Ok? Je vais descendre pour mettre, je vais aller pour de paix. Je vais aller à Jean-Abel, je vais regarder l'état où Jean-Abel. Non, mais on est qui sont dans l'Ouest. C'est vrai, Valier Bouplan, ils vont le comme ça. Bon, ce n'est pas ils vont le comme ça. C'est un toujours public. Ils toujours fait intervention, que ce soit sous Jacques-Edouard Alexis ou bien Michel Divier, bien lui. Ils toujours fait des interventions pour la Kaili. Ils toujours fait des interventions pour la Kaili, ça pas fait. Mais regardez l'état à route qui mène Jean-Abel. Comme si on demandait est-ce que le département ça a un représentant. Est-ce que le département ça a quelqu'un qui a pensé pour lui? Et puis, l'on regarde la réalité du Nord-Ouest à vivre. Il y a un paquet de nègres qui sont en bas, qui sont sénateurs, qui disent. Oui, l'on regarde la réalité du monde à vivre. Et puis, on attend nos sénateurs de la République utiliser le monde pour faire l'argent. Attendez. Et bon, je dis ça, je le dis. Tout à l'heure, je lis le rapport et c'est sûr que je vais encore une fois. Plonger me la dedans. C'est pour un rapport qui m'a dit pour faire une seule émission. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez, non? Son rapport qui m'a dit pour retourner sous lui. Radio Omega. OK? Et nous sommes capables de tout faire un parler avec Marie-Hélène Gilles pour nous chercher qu'on est. Qui ça qui te mette le soupiste? Et je ne pas dire que moi, qu'on a un paquet de monde dans le Nord-Ouest qui croit non. Lui au nom Dieu. Et moi-même, Mabdil, moi connais pas qu'être proche moi. Alors, si gueule pendant ma pluie, moi dit Saint-Louis du Sud, c'est samedi, c'est Saint-Louis du Nord. Nord. Okay. C'est Saint-Louis du Nord. Merci. Merci Emildo. France Emildo, merci. Merci. OK. Donc Mildo, qui te fait confiance et qui te vote elle. OK. Je toujours dis l'homme aux abords du pouvoir. N'est point l'homme au pouvoir. Mais, bon, quand même, je parle avec le sénateur, parce que je ne parle pas avec ce dossier, ça. Nous ne parlons pas de ça quand même. Mais c'est sûr que nous avons fini par. Vous avez parlé avec le sénateur? Mais c'est son sénateur Nord-Ouest quand même. D'accord. Nous sommes dans Nord-Ouest. Mm-hmm. OK. Je pense que la police, bon, à travers des CPJ, son dossier qui déjà n'a mis des CPJ. Oui, oui, c'est des CPJ. Fait... Alors, dossier n'a pas demandé des CPJ encore, selon rapport de là, son dossier qu'a joué le commissaire gouvernement Paul-Léonce Villa et demandé pour faire suivre et suivi. Donc, la justice a bien pour faire travail. Mais moi-même, en tant que nord-ouésienne, ça que j'ai besoin, parce que ce n'est pas parce qu'on rapport fait, c'est Fondation Jéclé que nous fait confiance. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nous menti. L'homme dit menti, je ne vais pas dire menti à 100%. Parce qu'il fait des travaux, il a montré son démarche. Vous comprenez qui fait non, rapport, un travail pas, d'investigation. Non, rapport ça, son rapport institutionnel qui est lié. L'homme dit institutionnel qui. Son titre de l'État qui fait lui. Fondation Jéclé est tombé sous lit. Il partage là avec nous. Exactement. Mais ça me dit, Fondation J'éclairé, nous fait confiance. Et DCPJ, OK, qui sont entités dans l'État, nous fait confiance. Moi, mais qui ça me souhaitait. Moi, je dis en tant que Nord-Ouésienne, vérité a l'intéressé. Et je voulais pour chaque grand monde qui est coupable, les punir, les mettre, c'était maman. OK? Bon, son façon de parler, je ne sais pas mon rapport. Non, c'est juste pour vous oui, dire pour que le sentiment régionaliste et autres, il n'est pas là. Seul ça, je voulais dire, sénateur au nom de Dieu, lui, qui a toujours défendu les tout. Parce que,
l'on moun gen nol ki site non seri de dossier, li gen ekip li, li gen avokal, yo la pou defon li. Donc, le dossier sa ou soti kon sa, parce que, et m'a dit ça, yon nan, bagay ke m plus souè, m plus souè moun kap eseye kache dossier, ke l te kite dossier an soti. Il faut dossier depuis là le devant depuis là le devant des CPJ faut pas aller oui il va cacher encore donc moi espérer que la justice a fait travail et quel que soit monde qui est coupable l'a bien pour le rendre compte des avantages qui gagne dans ça Johnny Castrael bon on pas connait Ismic lancé il dit monsieur chef cabinet non c'est pas sénateur non Dieu oui son monde on est tout comme mon nord-ouest. On pas connait. OK d'accord. Gayon c'est chauffeur le tout, gayon son agent Idmo. Et agent c'est qui détache avec lui. Au nom de lui, on va arrêter. Gayon immunité jusqu'à maintenant tout pas grand qui. Mais c'est l'âme de du l'autre jour là la, qui immunité. OK, immunité bon lui va pas pour voler non. Tu vas devoir voler immunité non, il bon lui pour l'opposant un acte législatif. Vous avez de bonnes immunités. Vous pas poursuivre. Parce que les gens qui ont fait la constitution, nous sommes une dictature. Te qu'on a des gens nuit, je dis, ok, comme nous sommes une dictature, le président a décidé de poursuivre pour position, pour un, position politique, ou, député, sénateur, comme vous avez fait travail le peuple, nous avons joué de l'immunité, vous n'avez pas nuit. Vous n'avez pas de bonnes immunités, vous n'avez pas de bonnes immunités pour voler tout, non? Mais ça me l'a dit, l'obtention des gros chiffres, ça, et puis, c'est peuple qui vote mon Israël. Ou me dit, moun, ba di ni garçon, ni femme, di moun. Mais moi, c'est ça qui est plus important dans le dossier, ça. Ou puis, il faut radio, il faut un paquet de bruit avec un paquet de dossier. Même j'ai nous fait bruit avec le dossier, la sali, non, paquet de rapport fait sur les DCPJ. Nous avons fait bruit, non? Non, attendez. Nous, DCPJ, il faut un rapport sur les. L'indexon, c'est de moun, qui jusqu'à maintenant, qui n'a pas sur tout le marché libre. Alors, moi, je voulais rectifier bruit, pas bruit fait. Ça qui arrive là, juste là, l'autre dénonce pas fait travail li. Mais ou même comme la presse là, l'autre fait travail ou. Donc c'est ça. Député Sobie Sénat. Qui pi important. Attendez, député Sénat, ça a une intention pour le tourner l'élection. On a l'aile tourner, il a rappelé son voloré. Il a rappelé pour ou piller caisse l'État. Il a toujours rappelé pour ou. Ou kidnapper moun. Il a toujours rappelé pour ou. Ou pas fanyer pour pays. C'est ça qu'on parle de lui. Il était à société à tout lui-même. Il était à la qui justice. Agit. Ou pas ça, vice-président Nigeria, c'est ça? Moi, quoi c'est Nigeria? Ça, il passe, qui ça le passe en Allemagne? Ou pas en vidéo, nos villages, quand on magistrat, on va changer qui pays, non? T'es pour mettre plus fond passerelle, on pont, l'elfine magistrat, dans la zone, non? Mandal fini, mandal après c'est fini, c'est là, ça l'a pris connaissance. Et vous n'avez très plaisir, vous courez derrière lui, vous avez un cap menel, vous avez la gueule dans tout l'eau, côté de la fait point. C'est bon pied qui sauve. Non, même parce que là, c'est une question de société, de qui nous gagne. Même parce que c'est ça, je dis. C'est ça que vous avez dit, 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 vous avez non. Mais Jodia. Mais quand même, vote au monde. Mais Jodia n'a pas gardé. Vote ou son droit. Non, 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 gardé. Li pas valable seulement pour nous dire lui, non, qui n'en vole pas, je ne veux dire. Et pas c'est lui. C'est le rapport Bafla, ok, mais il n'en vole pas. Blanchiment, de tout le monde défense. C'est vole, on l'a dit. Elle l'a dit, ou prend comme là, ou pas faire Saoudi, ou pas le faire. Là, elle l'a dit, enrichissement illicite. Il va y contrôler le Kobouan. Ou va faire mentir. Li dans tout le pays. Jodia. Gon bon nèg la député qui soutient dehors avec excusez-moi expression avec des pots avec seulement des pots des poches dehors vide bi vini au rue Port-au-Prince yo gen chaîne appartement yo député au sénateur c'est pas une discrimination que les ça m'va dire là gen des côtés ouais député ici avec sénateur qui soutient dehors après té mais au moins, il faut demander comment il fait arrêter Vivi Michel. Mais ils sont députés, ils sont sénateurs. Non, à qui on a gardé ça le toucher. Il faut garder ça le toucher qu'on y a. Il faut garder ça le toucher qui fait l'irrité là. Mais on connaît un bon cas, un bon nègre de Vivi Michel. Qui était Péguyville? Qui était Thomasin?
OK? Il y a des zones qu'on quartier juif dans Thomasin où je non la boule, où je non bande de bitons bande sénateur était là au moins faut population que... forcément Israël. Faut population commencer à identifier Kaïsa yo. Pour ça nous commencer à identifier. S'il fait le général et ça me donne pas l'encourage. S'il fait le général, me pense la mieux. Mais me pas quoi est-ce que c'est au nom de Dieu lui qui commence avec question sénateur député qui a fait gros château boy ici. Parce que tout sénateur, tout député qui ont fait la caillou, qui ont fait ici. C'est au nom de Dieu d'actualité là, on y a. Gen nan ou ki kache, mais c'est l'idée d'actualité. C'est la population qui fait. Exactement, c'est la population. Malgré que non Dieu lui était là. Bon, c'est le côté qui est avec comme il fait Kaïsa, quand il a fait là. Mais, et quand tout n'est qui dans l'État, qui était ministre, qui était directeur général, mais soit sinon le font enquête. Non, tout le rapport de CPJ, n'attend tout le rapport. Parce que sûrement, c'est au nom de Dieu, lui, en tant que sénateur, qui a un plus gros caille dans Port-au-Prince. Et ça me dit, on est dans le rapport. Pour moi, je pense que son caille là. Mais au nom de Dieu, lui, c'est testé du Sénat de la République. Ok? On est capable de gérer l'argent pays, Sénat, que nous votons, pour faire une bonne activité dans le pays. Il y a des gens qui besoin de petit comme pas joindre lit pour payer une année l'école. Et puis, ils ont utilisé ça comme pouvoir, c'est la mienne même. Ils ont utilisé ça comme pouvoir pour la faire comme. Sous nos bonnes mounes. Et me dit ça, question. A créer des entreprises fictives. Qui pas existait, oui, qui pas existait pour faire des pour faire l'argent. Malades. Alors, c'est tout ton pays a souffri. J'en dis à là. Il y a des mamans, papa, petit, qui comprennent rien pour voir si vous avez l'école. Mais là, on a des sommes, ça. Il y a des problèmes. Chez Ismaël, c'est où avec toute énergie, on va parler de ça. Vous voulez dire ça, vous voulez dire ça, non, mais ça n'a pas jamais branlé, mais parce que vous sans honte. Exactement. Parce que tout. Parce que nous avons une population qui est tolérante. Parce que nous avons une justice. Et nous avons une justice qui n'est pas indépendante. Combien d'enquêtes de CPJ qui étaient capables de mourir en bas? Attendez. Parce que si nous ne faisons pas pareil là, on package pour nous dire tout le monde a un côté de la justice. Il faut que nous soyons punis parce que nous reprochons de ci, nous reprochons de ça. Chaque fois que nous faisons, nous ouvrons gauche, nous ouvrons. Nous quittons le pays ventre. Monsieur, vous croisez Bouayo. Et puis, vous gardez nous. Vous continuez. Et souvent, c'est même population a doublé mandat là-bas. Je m'attendais, madame, je l'appelle, à déposer, à casser mes dénoms. Et comment il s'appelle? Et Kedler Augustin. Comme si des mounes. Comme si. Vous pensez comme une lettre à la poste. Mais faut qu'on commence à gonfler quelques députés. Mais samedi, quelques sénateurs, faut qu'on commence à gonfler. C'est samedi, j'en séance la fin en bas. J'en le fin en bas. Incitation à la violence. Radio Omega. N'importe qui comprend lui. Mais ça y a fait tout, c'est incitation à la violence, oui. L'autre prend l'argent sous dos au peuple. Je mets ton nom, pas soit passé là. C'est une incitation liée, oui. C'est député, sénateur qui incite le peuple là pour faire violence. Il est fâché, décentration. Mais il va y avoir attendu comme si les bouleversés, il n'a pas fait plaisir. À un pays. Par exemple, si monsieur député qui nous dit une opposition dans la chambre députée, il dit une opposition et puis il fait mise en accusation Jovenel Moïse. On s'est approché ma femme avec vous. Il fait mise en accusation Jovenel Moïse et puis il y a une dénonce dans la commission pour étudier Pierre et Fritz William Michel. Non, mais ça, c'est. Parce qu'on va clair avec des tout. Attends. On va faire double G. Non, pareil, ça me dérépond nous déjà. Je pense que. En tant que député, pour moi, son droit au gain. Radio-Omega. Son droit au gain pour rentrer, participer à notre travail en commission à faire. Mais attendez, sous parler de mise en accusation, depuis le président accusé, ça veut dire qu'il n'y a qu'une possibilité. Faut-il baisser, il n'y a qu'une possibilité pour tourner encore. Faut-il baisser, attention. Respirer. Non, me souhaiter, oui. Non. Non, me souhaiter, oui. Donc, attendez. Et me soutient. Bon, me disons bagaille, Jean-Ismaël. Mais qui est né avant dans le pays. Non, question monsieur, yo dans la commission. Et me toujours d'où ça. C'est pour qui ça, yo entre dans la commission. C'est la question. C'est ça qui est important. Pas oublier que nous tous toujours disons dans les médias que même si monsieur fait demande de mise en accusation, monsieur n'a pas aussi, comme de la dit ça, puis tu as fait cette illusion, puis tu as pensé que tu n'as pas le mettre président en accusation. Parce que d'abord, il n'y a pas majorité en bas. Ou d'accord que ça sont en question un acte réaliste. Yo connaît
séance qui vient pour faire avec foutu la Michel là il y a possibilité pour le arriver donc rentrer dans commission cap examiner analyser pièce nouveau gouvernement MD Douli son stratégie n'a utilisé pour voyager sur ça qu'a fait.